suis Sophie Alkhriali, je suis une réalisatrice de films d'animation marocaine et je suis aujourd'hui basée à Angoulême en résidence à la Maison des Auteurs. Alors à la base, je suis autodidacte dans le cinéma d'animation jusqu'au jour où j'ai postulé un master au Royal College of Art de Londres, dont je suis diplômée en 2018. Suite à cela, j'ai réalisé trois courts-métrages et L'ombre des papillons est mon quatrième court-métrage. Le film explore la notion de saudade. La saudade, c'est un mot d'origine portugaise complexe situé entre la mélancolie, la nostalgie, le désir et l'espoir. C'est le point de rencontre entre la joie du souvenir et la peine résultant de son absence. C'est une émotion que je souhaitais vraiment exprimer dans un film parce que c'est un sentiment qui me touche à titre personnel et que je trouve à la fois fort, teinté d'une certaine tristesse, mais aussi extrêmement beau. L'animation du film est réalisée image par image, sur tablette graphique ou directement sur papier de manière traditionnelle. 8 dessins sont nécessaires pour fabriquer une seconde du film. Chacune des images du film sont peintes à la main, à l'encre et à l'aquarelle. Le rendu aqueux et flou permet de retranscrire l'intangibilité d'une mémoire charnelle dont on voudrait se saisir. La texture est très présente dans un film qui veut évoquer le caractère insaisissable d'un souvenir hors de portée. Des textures de peau sont donc reproduites sur toutes les images. Certaines parties du film ont été réalisées en monotype, une technique d'impression qui permet d'avoir un rendu granuleux et éphémère, idéal pour retranscrire visuellement la mémoire. Pour finir, toutes les images peintes du film sont ensuite photographiées afin de procéder au montage.